Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit test et un unboxing d'un filtre externe pour aquarium, le EHIM Eco Pro 130. Petit tour d'horizon, il est garanti 3 ans, mais vous avez affaire à une grande marque, EHIM étant le leader mondial des filtres d'aquarium. Ensuite, il consomme seulement 5 watts, c'est de là que lui vient son nom Eco. Il est préconisé pour les aquariums de 60 à 130 litres. Le débit maximal théorique de la pompe va jusqu'à 500 litres/heure. Sa cuve a une capacité de 3 litres et il contient un panier de pré-filtre et un panier de masse filtrante. Il possède avec sa poignée un système d'auto-amorçage et il peut être utilisé en eau douce comme en eau de mer. Et puis très important, les masses de filtration sont incluses, c'est un filtre totalement prêt à l'emploi. On tourne l'emballage et on voit qu'il y a deux robinets d'arrêt sur ce filtre, ce qui est très pratique pour l'entretien. À l'arrière, on retrouve les spécifications techniques du filtre ainsi que les deux autres filtres de la gamme, puisqu'il y a 3 filtres dans cette gamme Eco Pro. Le Eco Pro 130 étant le plus petit des 3. Bien entendu, le filtre comprend aussi la canne d'aspiration, la canne de rejet, les tuyaux, tous les accessoires qu'il faut pour démarrer le filtre. Et encore une fois, les masses de filtration sont aussi incluses avec la mousse, les watts et bien entendu quelques billes de filtration biologique. Allez, c'est parti pour l'unboxing, ouvrons la boîte pour voir ce qu'elle contient. Sur le dessus, on trouve tout d'abord le tuyau qui fait 3 mètres de longueur au total et qui est d'un diamètre 12-16 mm. Ensuite, on a un coussin imprégné de charbon actif pour avoir une eau cristalline. On continue avec un petit sac d'accessoires où on va trouver les robinets, les ventouses, la crépine, la canne de rejet, bref, les petits accessoires. Dans un coin du carton se cache la canne d'aspiration du filtre. On peut maintenant accéder au filtre en lui-même et le sortir du carton, tête de pompe ainsi que cuve et panier de filtration qui sont déjà à l'intérieur. Évidemment, le filtre est fourni avec une notice complète en français ainsi qu'avec un petit bon de garantie. Et pour finir, au fond du carton, 1 litre de masse de filtration biologique du Substrat Pro de chez EHIM. Voici une vue générale de tout ce que contenait le carton, on va maintenant regarder le filtre d'un peu plus près. C'est vraiment un très petit filtre, très compact, il ne fait que 21 cm de diamètre pour 30 cm de hauteur avec la poignée relevée. On va maintenant regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur du filtre, pour ça il suffit d'abaisser la poignée multifonction et d'appuyer sur le petit bouton rouge pour désengager la tête de filtre. On retire la tête motrice pour avoir accès à la cuve du filtre où on va pouvoir installer nos masses de filtration. Le premier panier, le panier du dessus, donc c'est un pré-filtre qui va nous servir à retenir les plus grosses impuretés avec une grosse mousse bleue. En dessous, un seul et unique panier de filtration car il s'agit d'un petit filtre externe. À l'intérieur, on retrouve un coussin de perlon qui est une masse de filtration fine et dans la place restante dans ce panier, on va pouvoir installer nos billes de filtration biologique ainsi que notre coussin au charbon actif. On va regarder maintenant d'un peu plus près la tête motrice de ce filtre avec un gros joint torique central de très bonne qualité et en dessous vous avez une petite trappe qui vous permet d'accéder à la turbine de la tête de pompe. On accède ici au cœur du filtre avec la turbine qui fait remonter l'eau du filtre vers votre aquarium. Et cet axe de turbine en céramique garantit un filtre qui fonctionne très silencieusement. Sur cette vidéo, je vous montre la turbine mais il n'est absolument pas nécessaire de la nettoyer régulièrement. Bien au contraire, n'ouvrez ce capot que si vous avez un problème technique. Il n'y a en effet quasiment aucun dépôt qui se fait à cet endroit et vous risquez plus de casser la turbine ou l'axe de la turbine en faisant un entretien. Bon allez, il est temps maintenant d'assembler tous les petits accessoires. On va commencer par la crépine qui va aller tout simplement sur la canne d'aspiration. Les petits clips en plastique vont aller sur la canne d'aspiration et la canne de rejet, on en met 2 sur chaque canne. Sur ce petit carré noir, ce sont 4 petits pieds en caoutchouc autocollant qu'on va coller sous la cuve de notre filtre. Ne les oubliez surtout pas, sinon votre filtre fera un peu de bruit. Alors même si je pinaille un peu, je trouve dommage que EHIM continue à fournir des petits pieds en caoutchouc autocollant et que ceux-ci ne soient pas directement assemblés à l'usine. En effet, après plusieurs années d'utilisation, il peut arriver qu'un ou deux de ces petits pieds se décollent et on peut les perdre si on n'y fait pas attention. Cela m'est déjà arrivé sur un autre filtre éco et c'est toujours embêtant de devoir racheter cette petite pièce détachée. Maintenant, je vais installer les 2 robinets d'arrêt sur l'entrée et la sortie du filtre. C'est très très simple à installer, il suffit de mettre le robinet devant l'entrée et de visser. Et puis vous le voyez, l'entrée et la sortie d'eau sont pivotables et ça c'est vraiment super pratique pour l'installation et l'entretien.
Avant de mettre un nouveau filtre externe en fonction, il faut toujours rincer sa cuve ainsi que ses paniers et les masses de filtration bien entendu. On va donc ouvrir notre filtre et aller rincer sous l'eau du robinet toutes les masses de filtration ainsi que les paniers et la cuve. Je vais commencer par rincer le panier de filtration pour pouvoir y déposer mes billes de filtration biologiques. Et je vais bien les rincer car elles font beaucoup de dépôts pendant le transport. Il y a du frottement et vous avez un petit sable, un petit gravier qui va se déposer dans le sac. Donc c'est très facile, vous rincez sous l'eau directement dans le panier pour enlever un maximum de ces petits dépôts. Je rince également le coussin de perlon ou coussin de ouate, suivant comment vous voulez l'appeler, c'est la même chose, et je le place directement sur les billes de filtration. J'ouvre maintenant le coussin au charbon actif et lui aussi je vais bien le rincer avant de le placer directement sur le coussin de perlon. Pour résumer, tout au fond, vous aurez vos billes de filtration biologique, ensuite le coussin de perlon et pour finir, le petit coussin au charbon actif qui est optionnel, vous n'êtes pas obligé de toujours l'utiliser. Et voilà, votre premier panier de filtration est prêt. Et enfin, je rince mon panier de préfiltration ainsi que la mousse bleue qui l'accompagne. La cuve, je l'ai rincée à part car elle ne tenait pas dans ce petit lavabo. Je n'ai plus qu'à tout rassembler, le panier de filtration avec ses masses de filtration rincées et correctement mises à l'intérieur, le panier de préfiltration lui aussi rincé, et pour finir, je remets la tête de pompe à sa place, je remonte la poignée multifonction pour tout verrouiller, et c'est terminé, je n'ai plus qu'à m'occuper de la canne d'aspiration, de la canne de rejet et du branchement des tuyaux. Alors pour le tuyau, il va falloir commencer par le couper en deux, évidemment, pour pouvoir avoir un côté rejet, un côté aspiration. Munissez-vous d'une bonne paire de ciseaux et coupez à la moitié. Ensuite, il suffit d'enfoncer les tuyaux directement dans les robinets d'arrêt et de visser la petite bague autour des tuyaux. Inutile de visser énormément, ça tient déjà très très bien, rien qu'en enfonçant les tuyaux. Sur la tête du filtre à gauche, vous avez IN, l'entrée, et à droite, OUT, la sortie. On va donc brancher la canne de rejet à droite et la canne d'aspiration à gauche. Et enfin, dernière petite chose, on va installer les ventouses sur les crochets qui maintiennent la canne d'aspiration et la canne de rejet. Le filtre est maintenant prêt à être utilisé, il ne reste plus qu'à mettre la canne d'aspiration et la canne de rejet dans l'aquarium. Et pour finir l'installation, on ouvre les deux robinets d'arrêt, on branche le filtre bien évidemment, et on va pouvoir commencer à amorcer notre filtre externe. Alors vraiment, l'amorçage sur ce modèle n'est pas difficile et vous n'allez pas vous tuer les mains sur un bouton poussoir comme sur d'autres filtres externes. Ici, il suffit d'abaisser et de remonter la poignée plusieurs fois pour amorcer votre filtre. De tous les filtres externes que j'ai pu avoir, c'est vraiment le meilleur des systèmes. J'en ai pas trouvé d'équivalent plus efficace et moins fatigant que cette poignée multifonction. Mon conseil pour amorcer plus rapidement et plus facilement un filtre externe, quelle que soit sa taille et quelle que soit sa marque, c'est de remplir aux trois quarts la cuve avant de fermer votre filtre et de commencer à le mettre en service. Voilà, le filtre est amorcé, je n'ai pas besoin d'attendre plusieurs mois d'utilisation pour vous donner mon avis puisque j'en utilise déjà un autre depuis plusieurs années. Pour être tout à fait exact, cela fait plus de 15 ans que j'utilise un Eheim Eco Pro et j'en suis tout à fait satisfaite, je n'ai absolument jamais eu le moindre problème avec ce filtre. Je n'ai jamais eu besoin de faire d'entretien particulier dessus, je n'ai jamais changé de joint, je n'ai jamais changé de pièce, rien n'a jamais cassé hormis deux petits pieds en caoutchouc qui se sont perdus lors d'un déménagement. Un point important avec les filtres d'aquarium, le niveau de bruit. Fait-il beaucoup de bruit, oui ou non? La réponse est clairement non, c'est un filtre extrêmement silencieux. Les seuls bruits que vous pourrez entendre, ce sera le glou-glou de l'eau en surface à la canne de rejet ou éventuellement une bulle de temps en temps qui passe dans le filtre. Ça arrive, ça fait un petit bruit. Mais sinon, le bruit de la pompe motrice en elle-même est vraiment à peine perceptible. Au niveau de l'efficacité de filtration, vraiment rien à redire, ça filtre très bien, le filtre ne s'encrasse
pas très vite, voire très peu. Moi, je l'entretiens une fois par an, grand maximum. Donc, vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Avec ce filtre, vous n'aurez pas de soucis. Vous aurez une eau limpide, à condition bien sûr de prendre le filtre adapté à la taille et à la population de votre aquarium. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est un filtre vraiment très facile à entretenir grâce à ces robinets d'arrêt notamment, qu'il suffit de fermer, vous débranchez ensuite votre filtre, vous dévissez les deux robinets et après vous pouvez prendre le filtre entièrement, le retirer du meuble et aller rincer les masses de filtration. Et pour le réinstaller, c'est tout aussi facile, il suffit de faire les mêmes opérations dans le sens inverse. Pour moi, c'est donc un très bon rapport qualité-prix. Pour environ 90€, vous aurez un filtre complet, prêt à mettre en eau. Vous n'aurez rien à ajouter, rien à racheter en supplément. Vous avez un filtre compact qui peut aller sur beaucoup d'aquariums, entre 60 et une centaine de litres. Et vous avez surtout un filtre qui va vous durer longtemps, donc vous en avez pour votre argent. Pour résumer, si je devais vous recommander un filtre externe, eh bien ce serait la gamme Eheim EcoPro. Le 130, le 200 ou le 300, suivant la taille de votre aquarium et votre population. Mais en tout cas, cette gamme n'a pour moi que des qualités. Ce sont des filtres extrêmement silencieux, compacts, faciles à utiliser et à entretenir, et enfin économes en énergie mais puissants à la fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee dernièrement, vous avez été très généreux, un énorme merci à vous, un gros bisou, bye bye.